La fondation AFSI Congo, dans le cadre de vulgariser ses activités, vient d'initier une rencontre avec les journalistes du département de Pointe-Noire. Au cours de celle-ci, il s'est agi d'échanger avec les chevaliers du micro et de la plume, afin que ces derniers soient sensibilisés sur les différentes activités menées depuis 2011 par AFSI Congo. Au regard de l'implication de cette fondation, beaucoup des réalisations ont été épinglées au niveau de la santé, l'éducation, l'environnement, la protection de l'enfance et l'énergie. Et ce, grâce à l'appui financier de l'Union européenne, UNICEF, ENI Congo et PAM. Une fois qu'on consomme la moitié du bois du charbon, on fait quoi avec cet argent? Il y a certains devoirs, un certain engagement au niveau des parents envers les enfants. Donc là, on arrive à faire de la protection des enfants. Mais en passant par les foyers améliorés. C'est pour ça que je dis que l'effort au niveau de l'équipe est énorme, parce que l'équipe n'est pas formée sur une chose spécifique, mais doit couvrir vraiment de façon holistique toute la personne. Le grand mérite de cet échange avec les journalistes, c'est la mise en lumière de l'un des projets phares de l'AFSI, le Venons contre la maltraitance des femmes. Ce projet, qui vient de prendre fin, a consisté en 2021-2023 d'améliorer les conditions de vie des victimes de violences basées sur le genre. Et de l'avis des experts en la matière, cet objectif a été atteint dans la mesure où 608 cas de type de violences ont été répertoriés dans les sous-préfectures de Inda, Luango et Madingokai. Dans la même veine, 18 496 personnes sensibilisés sur les violences contre les femmes, filles et enfants. Sans compter plusieurs formations destinées aux organisations de la société civile en vue de renforcer leurs capacités organisationnelles et opérationnelles. Du point de vue renseignement des indicateurs et résultats obtenus, nous sommes satisfaits de la mise en œuvre de ce projet qui a duré 39 mois. Parce que parmi les indicateurs, il y avait par exemple le nombre de personnes prises en charge médicalement parlant. Et il était prévu d'atteindre 100, nous en avons pu atteindre 164, et parmi lesquelles 13 filles victimes de violences qui étaient prises en charge dans les 48 heures sur les 10 qui étaient attendus. Et quand on regarde ces résultats en tant que tels, vous nous dites que ce sont des résultats satisfaisants. Pour rafraîchir la mémoire, on retiendra que l'Association des volontaires pour le service international, en sigle AVSI, est une organisation à but non lucratif qui hérite aujourd'hui de 50 ans d'existence. Son credo, réaliser des projets de coopération au développement et d'aide humanitaire dans 40 pays, dont l'Italie.